Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et souhaitons les riches bénédictions de notre Père Céleste sur chacun de vous. Nous sommes le peuple le plus heureux sur la terre. Parce que non seulement nous savons d'où nous venons, nous avons reconnu le jour dans lequel nous vivons. Nous avons reconnu le message. Nous avons reconnu le messager. Et même nous avons reconnu la suite dans les programmes de Dieu. Nous avons reconnu aussi notre position en tant que fils et fille de Dieu. Nous savons qu'avec nous, Dieu achève. Selon le plan de Dieu, il a fait sortir des hommes, des nations, toutes tribus, et toutes langues. Il en a fait son peuple. Et ce peuple aujourd'hui est arrivé à la foi biblique. Ce peuple croit selon les Écritures. Ce peuple donne raison à Dieu. Chaque parole de Dieu aujourd'hui pour nous c'est un commandement. Notre cœur tremble quand Dieu nous parle. Nous voulons qu'il nous lie fermement à lui. Nous voulons qu'il nous lie à son amour. Nous voulons qu'il nous tienne à la main. Nous savons que dans sa grâce, nous avons été lavés. Lavés dans le sang de l'agneau. Lavés dans la parole de la vérité. Et par sa sémence, nous avons expérimenté l'engendrement, la nouvelle naissance. Tout a été renouvelé en nous. Et aujourd'hui, il y a en nous un cœur capable de pardonner. Parce que le grand Dieu du ciel nous a fait participer à sa nature. Sa sémence divine est tombée dans notre cœur. Et son esprit a suivi cette sémence. La vie divine a été formée en nous. Alors, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Un Dieu qui pardonne. Si lui pardonne, ce qui y est à l'imbisaka, moi aussi, Naïbe, je peux pardonner. Amen. Nana makokia ko limbisa. Quel Dieu Zambe nini est semblable à notre Dieu. Akokana na Nzambe na biso. Bien-aimés frères, balinga mi bandeko. Nous recevons des dernières instructions. Tozali ko yamba malako ya suka pour notre départ. Pona bokei na biso. Ce sont les dernières instructions. Ce n'est pas l'amour, la doctrine parfaite qui entrera. Mais l'amour parfait. C'est ainsi que Dieu, dans son amour, ayant préparé une épouse parfaite, lui envoie aujourd'hui, maintenant, une parole parfaite. Dieu a fait des merveilles pour nous. Il nous a fait sortir de prédications ordinaires. Dieu nous a introduit dans la prédication.
l'application parfaite. Nous l'avons tous suivi. L'apôtre Paul a reçu la charge d'annoncer parfaitement. Et la parole parfaite dans votre cœur produit une vie parfaite. Amen. Et très bientôt, dans la transformation, à la fin, l'époux sera une épouse parfaite. À cause de la mosse libala bongabe. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous avons été renouvelés. Nous savons que l'ennemi est vaincu. Oui, l'accusateur de frères. Il nous accusera toujours. Mais la victoire est dans notre corps. Parce que nous croyons. Et la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. Une victoire qui triomphe. C'est merveilleux. Dieu est bon. Mais bien aimé, croyons ces choses. Avec nous, Dieu va achever. Vous savez, quand nous suivons les retransmissions, nous prenons tout au sérieux. Il ne s'agit pas comme le monde dit qu'il y aura retransmission de matchs entre telle équipe et telle équipe. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas retransmission comme pour les matchs. Ici, il s'agit de la parole de Dieu. Awa, likambozande liloba na Nzambe. Nous l'avions déjà tout suivi. Tosi tolanda ngo banso. Ceux qui appartiennent à l'épouse de l'agneau. Baye bako sala mwasi libala mwana na mpate. Et qui doivent prendre part à l'enlèvement. Pe basengeli koneto lama. Sont connectés. Baza yako kangama. Ils écoutent trois fois la semaine. Celui qui rejette une telle instruction ne comprend rien de ce que Dieu fait. Mais quand vous allez au stade, où vous suivez la retransmission des matchs, quand le match prend fin, c'est terminé. Mais j'ai devant moi ceux qui font partir de l'épouse de l'agneau. J'ai devant moi des frères et sœurs qui prendront part à l'enlèvement. À cause de cela, ils écoutent la parole. Ce n'était pas notre volonté. Mais je me suis réjoui avec les introduction de notre frère de Zurich. Dieu a repris son serviteur. Nzambe akamata ki mosali na ye. Mais il nous a pas laissé orphelins. Non seulement le Saint-Esprit est avec nous, mais la nourriture. La nourriture en abondance. La nourriture. Il y a des hommes que Dieu a nourris. Bandeko, Dieu a pris soin de nourrir les hommes sur cette terre. Quand ils se tiennent devant vous, c'est la même nourriture. Distribuée dans le même esprit. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimé frère, notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Dans Michée, il est dit, Michée, le chapitre 7, depuis le 18e verset, quel Dieu est semblable à toi?
qui pardonne l'iniquité. Oyo alimbi saka masumu na lisumu na nko. Qui oublie le péché? Oya busa na kamasumu du reste de ton héritage. Ya oye tikali na libula na yo. Il pardonne alimbi saka et oublie. Pe ya busa na ka. Il dit quel Dieu est semblable à toi? Abinzambe ni na kokani na yo. Gardez cette page, regardez dans le psaume 130. Bopate la mokapo, botana na banzembo kama moko tukumi sato. Il est encore parlé de lui. Et l'obami lissou na tina na ye. Depuis le premier verset. Liboso. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Seigneur. Wuta mozino ya libulu na kobele la yo, ô Nkolo. Seigneur, écoute ma voix. Nkolo, yoka mongongo nanga. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Tikete li matoi no etika la kofungwa mana mongongo ya bilelo nanga. Si tu gardais le souvenir des iniquités. Soko zalai ko bate la nano makanisi ya masumu nanko. Alléluia. Amen. Si tu gardais le souvenir des iniquités. Soko zalaki nano ko bomba. Masale masumu nanko. Yahvé Seigneur. Yawe Nkolo. Qui pourrait subsister? Nani yango ko kokotika la na bomoi. Si le Seigneur pouvait garder le souvenir des iniquités de nous tous. Ce qui est encore au cas qui n'a pas bombé dans ma banzo naie, ma somme n'a pas soyez encore. Si vous prenez le psaume 51, comment même nous sommes entrés dans ce monde déjà pécheurs. Ce que Kamati banzembo tukumitano na moko ndengeni to kota na mokilo libela basumu ki. Si le Seigneur voulait compter tout ce que nous avons fait. Ce qui est encore singela qui kotanga manso to sala. Frère qui ira au ciel. Bandeko nani ngo ki na lola. Qui subsistera devant lui. Nani ngo kotika la liboso na ye. Mais voyez ce que la force de Dieu. Kasi bote la makasi na nzambe ndenge zali. Au verset 4 il dit. Nzela mine ya lobi. Mais kasi le pardon se trouve auprès de toi. Kolibi sezalaka epai na yo afin qu'on te craigne. Amen. Pwete bato babanga yo. Là où la nature de l'homme condamne. Epai wapi Lolenga bomoto ekwe isaka. Dieu pardonne. Nzamba limbisaka. Ils ont condamné ce monsieur qui avait vécu toute sa vie et même crucifié ensemble avec le Seigneur de gloire. Bakwe isaki moto abika kibomo inaye mobimba kutu. Baka ki na ikulu selongo na nkolo na nkembo. Déjà condamné. Basi bakwe isaki ye. Mais là à la croix. Kuna wana na ikulu su. Dans les dernières minutes, na ngonga ya suka de sa vie, déjà condamné par le monde. Mokinesi kwesa kiye. L'amour de Dieu. Bolibona nzambe. La miséricorde de Dieu. Bosawana nzambe. Le pardon de Dieu. Bolibisi na nzambe. Était manifesté. Etalisama ki polele. Le Seigneur lui dit. Kolo ebisiye. Aujourd'hui. Le loyo. Tu seras avec moi au paradis. Mais qui est cet homme-là? Condamné. L'amour Bolingo. De Dieu manifesté pour nous. Yanzambo etalisami pona biso. Va au-delà des condamnations des hommes. Ekendaka koleka. Quand l'amour s'élance, tango bolingo ikei pona kosala. La grâce relève. Ngolu etele misaka. L'amour de Dieu. Alors ici il dit, j'espère dans le Seigneur. Mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël. Israël. Mets ton espoir dans le Seigneur. Car la miséricorde est auprès du Seigneur. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui.
Yende. Qui rachètera? Akosikola. Ne soyez pas choqués si je lis celui qui a racheté. Yende asikola ki. Oh Dieu. Oh Nzambe. Dieu était favorable pour nous. Ozalaki malamu pona biso. Psaume 85. L'écriture dit. Ni combien lobi. Je crois depuis le premier verset. Non, c'est depuis le deuxième. Tu as été favorable à ton pays. Oh Seigneur. Tu as ramené le captif de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Et tu as ôté tous ses péchés. Amen. Amen. Et Dieu miséricordieux. Ici dans Miché, l'écriture dit au verset 19, il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. En Christ, Dieu nous a pardonnés. En Christ, il a ôté nos péchés. En Christ, il a pardonné nos iniquités. C'est déjà fait. Nous le croyons de tout notre cœur. Et nous savons que si le Seigneur revenait maintenant, nous allons avec lui. Mais nous savons qu'il ne reviendra pas avant que nous ayons reçu le pluie. Parce qu'il y aura une dernière démonstration. L'église a commencé avec un bruit sur la terre. Il y a une grande démonstration sur la terre. Avant que nous puissions nous en aller, il y aura une grande démonstration. Nous passerons de la foi à la vie. Mais aujourd'hui, le pardon de Dieu est une réalité. Amen. Il a marché avec Israël. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Ésaïe 63. L'Écriture dit, depuis le 7e verset, je publierai la grâce du Seigneur. Les louanges du Seigneur. D'après tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël. Qu'il a traité selon ses compassions. Et la richesse de son amour. Bien-aimés frères. Aujourd'hui. Dans cette salle, j'ai lu dans ma Bible un verset que je n'avais jamais lu. Dans Matthieu 18, là, le dernier là. C'est pour la première fois que je lis ça, frère. Pardonnez de tout votre cœur. Mais disons amen. Amen. Ce verset-là, là où j'étais assis, j'ai dit, Seigneur, viens-nous en aide. Parce que le véritable pardon n'est pas facile. Quelqu'un qui vous a fait du mal, vous savez qu'il parle mal de vous. Vous savez qu'il parle mal de vos enfants. Il parle de votre femme. Il cherche à vous détruire. L'écriture vous dit, vous devez pardonner de tout votre cœur. Nous disons amen. Théologie, amen. Mais nous disons aussi au Seigneur. Si théologie pas dans colo. Viens nous au secours. Amen.
Sinon, nous serons des hypocrites. Si nous pouvons considérer ce passage-là, ça peut régler des problèmes parmi les frères. Que tous tiennent la même Bible. Prêche la même parole. Croyez aux mêmes promesses. Mais au téléphone, ils sont des ennemis. Si seulement aujourd'hui, nous pouvons supplier le Seigneur. Mais ce que lui-même nous recommande de faire, il le fait pour nous. Amen. Parce que quand nous lisons ce passage-là, nous voyons comme s'il s'agissait des êtres humains. Mais en réalité, ne peut pardonner que celui qui a reçu le pardon de Dieu. Celui qui a expérimenté le pardon. C'est celui-là qui peut pardonner. Parce qu'il sait ce que c'est que le pardon. Frère, Bandeko, le pardon bolimbisi libère. Et kangolaka. Le pardon bolimbisi est lié à l'amour. Et kangama na bolingo. Dans une prédication, le frère Branham parle d'un taureau qui faisait du mal aux gens. Na lité ya moko ndeko Branham akoloba na tina ngombe moka mobala zala ko sala bato mabe. Mais un jour, le frère devait aller prier pour un frère qui était malade. Quand il arrive dans ce contrée-là, le taureau est venu. Le frère Branham dit, quand je l'ai regardé, je l'ai aimé dans mon cœur. Il a fixé le taureau. Je l'ai aimé. Je lui ai dit, laisse-moi partir. Nous avons tous un même créateur. Une autre créature est malade. Laisse-moi aller prier pour lui. Il dit, le taureau céda la route. Mais qu'est-ce qui a fait cela? C'est l'amour. L'amour est lié au pardon. Quelquefois, quand on touche à tes intérêts, tu es dans tous tes états. Vous allez voir comment nous allons faire. Le frère Georges venait de le dire ici. Ils sont arrivés dans une ville de Samaritains pour demander le logement. Les Samaritains ont refusé. Les disciples sont venus vers le Seigneur. La nature de l'homme est mauvaise. Que Dieu soit loué de nous avoir rendus participants de sa nature. Que Dieu soit béni. Frère, ils sont retournés vers le Seigneur. Ils lui ont dit, maître, veux-tu que nous demandions du feu? Ils ont réclamé que nous puissions brûler même ces hommes et même toute leur vie. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le Seigneur leur dit, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Moi, je suis venu pour chercher ce qui était perdu. Frère, quand l'homme se fâche, il devient... vous voyez même le visage change. Même les yeux deviennent tout rouges. Il veut s'attaquer à sa compagne, à sa femme de tous les jours. Vous le voyez maintenant? Mais aujourd'hui, le Seigneur nous aille tous. Pardonnez de tout votre cœur.
Amen. Est-ce que tu es capable de dire au frère que tu as fait du mal? Mon frère, je veux qu'on se rencontre. J'ai prié le Seigneur de me rendre capable que je pardonne. Mon frère, tu m'avais fait du mal. Aujourd'hui, je te pardonne de tout mon cœur. Les élus, les vainqueurs Balongi le feront. Bakosala yango. Notre Dieu Nzambe na biso est riche en miséricorde. Atonda na bosawa. Un Dieu compatissant. Nzambo ya sanga na kana pasi. Si vous êtes engendré par sa semence, soki opesa mela momboto ya mbota mana nzela momboto na. Vous aimez aussi celui qui est engendré de lui. Boko linga pe oyo ye apesa la momboto ya mbota ma. Ah, mais c'est là que l'Écriture parle même de la communion fraternelle sincère. La communion fraternelle sincère. Nous qui obéissons à la vérité. Mais aussi engendrés par la parole de vérité. Premier Jean, le chapitre 5. L'Écriture dit, depuis le premier verset, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons le commandement. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Parce que nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer ses enfants, ceux qui sont engendrés de lui. 1 Jean 3, l'Écriture dit, depuis le 9e verset, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu est en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là qu'il faut reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu croient la parole. Ils vivent de la parole. Et quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Vous savez, nous avons une grande promesse. Très bientôt, il y aura la pleine restauration. Le Seigneur enverra une pluie. Mais vous savez que déjà dans l'Écriture, il y a l'histoire de Job qui avait tout perdu. Même les enfants, même ses biens. Mais pour que Job soit restauré, le Seigneur lui dit de prier pour ses amis. Amen.
Ses amis qu'il avait condamnés. C'est qu'avant qu'il ne prie pour eux, il devait les aimer dans son cœur. Il devait pardonner. C'est alors que Dieu l'a restauré. L'écriture dit, il ne devait rien à personne. Si ce n'est que vous aimez les uns les autres. Amen. Amen. Ça, c'est l'amour selon Dieu. Il y a des versets dans nos cœurs. Par l'Esprit de Dieu. Nous aimons comme Dieu a aimé. Nous pardonnons comme Dieu a pardonné. Nous aimons tous ceux qui sont nés de Dieu. Parce que maintenant, ceux qui écoutent cette parole, selon Matthieu le chapitre 25, les vierges sages écoutent cette parole. Parce qu'elles sont étroitement connectées. Elles sont liées au ministère de Matthieu 24, 45 à 47. Le vierge sage écoute les serviteurs sages. Dieu reprend les hommes. Mais sa parole demeure. Regardez dans Zacharie. Nous allons retourner dans ce page-là. Allons dans Zacharie. Prenons Zacharie le chapitre 1er. Zacharie, mon capo, yaliboso. Zacharie au chapitre 1er. Zacharie, mon capo, yaliboso. Depuis le premier verset. Kubananzela, yaliboso. Le huitième mois, la seconde année de Darius. Sanzami balé. La parole du Seigneur fut adressée à Zacharie, fils de Berakia, fils d'Ido, le prophète en ce mot. Le Seigneur a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi par le Seigneur des armées. Revenez à moi, dit le Seigneur des armées, et je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressait le premier prophète, en disant, ainsi par le Seigneur des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi. Amen. Amen. Regardez que c'était le prophète qui parlait. Mais le Seigneur dit, ils ne firent pas attention à moi. Ce ne sont pas ces hommes qui nous parlent. C'est Dieu qui nous parle. Il y a une grande différence. L'homme qui parle de Dieu et cet homme au travers duquel Dieu parle. Quand celui-là parle, nous faisons attention à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous parle. Vous voyez qu'il dit, mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit le Seigneur. Au verset 5, vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Est-ce qu'Esaïe est dans cette salle?
Ézéchiel est dans cette salle. Ézéchiel Azawa. Nous ne pouvons pas le voir. Mais les paroles qu'ils ont reçues de Dieu sont avec nous ici. Et ça, et quand nous lisons ces paroles-là, elles sont les paroles de Dieu. Dieu confirme sa parole. L'écriture dit, les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Ils ne pouvaient pas vivre éternellement. Cependant, mes paroles Malobananga et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos oreilles? Ils se sont retournés. Ils ont dit, le Seigneur des armées nous a traités comme il avait résolu Yahweh na mampinga asale libiso ndenga kanaki yango selon nos voix et nos actions. Yakosala ngo kolandisa banzela pe misala na biso. Dieu utilise les hommes. Nzamba sale la kabato. Et il le reprend. Pe akamata kabango sima. Mais sa parole si luloba na ye demeure éternellement. Et fou mume la kaseko na seko. J'ai entendu quelqu'un dire, frère, nous ne suivrons pas de retransmission parce que ce sont des frères à Krefel qui sont allés vers les frères Franck. Ils lui ont dit, comme il y a maintenant le Covid, nous pouvons mettre les prédications. Ok, ça va. Okay. Mais que dites-vous, quand le frère Franck dit, telle date, je m'étais réveillé. Le Seigneur m'a dit, retransmet aussi pour mon peuple, réunion de guérison de frère Branham, 4 à 7 prédications. Que dites-vous de cela? Que dites-vous? Parce que Dieu n'a pas utilisé d'autres termes. Il a dit retransmet aussi. C'est que Dieu a veillé à cette instruction. Vous allez vers le frère Franck. Vous lui dites frère Franck. Cela voudrait dire que les prédicateurs ne doivent plus prêcher. Que nous devons seulement vivre de retransmission. Mais écoutez. Boyoka. Qu'est-ce que le frère Jean-Claude fait ici devant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Répondez-moi. Alimenté, on a interdit, il ne fait pas que le prédicateur prêche. Bon, moi j'ai fait expressement. Je suis venu des États-Unis, je n'ai pas appelé le frère George, même pas le frère Rudy. Je me suis dit, je vais seulement venir. Comme chez eux, le prédicateur ne prêche pas. Que je vois comment ça se passe. Mais je me rends compte que ce qu'on a raconté, c'est du mensonge. Calomnie. Nous avons suivi une prédication, je crois, la semaine passée. L'Esprit dit, mais sur ton parcours, il n'y a que les mensonges, il n'y a que les visions, les dislocations. Sur ton parcours, tout ce que tu produis, l'heure est arrivée où nous devons vivre de l'amour divin. Frère, rejeté. Imaginez celui qui n'a pas suivi cette prédication. Qui n'a jamais lu comme moi ce passage là qu'il faut pardonner de tout ton cœur. Il prendra sa volonté pour la volonté de Dieu. Va continuer à parler mal des frères. Va commencer à les calomnier. Il va commencer à raconter beaucoup de choses. Vous voyez? Les retransmissions. Aujourd'hui, c'est la volonté du Seigneur. Dieu a fait un miracle.
Frère, il y a des prédications que moi je n'avais jamais suivies. Et ça, prédication de 82 là. Matthieu 82 wana. Je n'avais jamais suivi. Na yoka yangote. Je n'avais jamais suivi. Tikala koyoka yangote. Je lisais dans les lettres circulaires. Nzala kotanga na ba lettres circulaires. Je ne savais pas qu'il y avait ce dépôt. Kasi na yeba kitete libomba ebomba melio ezalaki. Kasi na tango na tango yo. Dans le temps de l'achèvement. Na tango ya bosuki si. Le Seigneur instruit ton son serviteur. Kolo zali kote ya mosali na ye. Que nous puissions suivre. Tango kako yoka. Toutes ces prédications. Matayo nyonso. Seul apporté par notre frère Branham. Atako onde konabiso Branham Matayo. Frère, quel est le but que Dieu poursuit? Il nous a été dit clairement que ceux qui suivent la retransmission écoutent le message. Frère, nous précisons ces choses. Mais quand vous vous approchez au peuple de Dieu de Côte, où est-ce que vous les amenez? Les vrais hommes de Dieu ne mettent pas le peuple en contact avec eux-mêmes. Oh frère Jean-Claude, comme tu es là, nous avons notre programme. Nous avons le programme de l'église. Nous allons te recevoir après 2 ou 3 mois. Dénomination. C'est une dénomination. Les enfants de Dieu écoutent ce que l'Esprit dit. J'écoute la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Qu'il soit loué. Pour Ewald Frank. Amen. Mais qu'il soit aussi loué. Pour ses serviteurs à cet endroit. Amen. Pour l'humilité. Pour la comique qui ça. Les gens disaient, oh, limité, on a fermé des portes. Limité, bakanga bikuke. Je vais vous dire la vérité. Nakoye bisabino solo. Limité n'a jamais fermé des portes. Limité, tika kokanga bikuke te. Pour prêcher ici. Pour la côté ya awa. Tu dois être sûr que tu es un ruminant. To osengeli o talisama ete yo o pesa kabilei o ici e pesa maki. Tu dois être sûr que tu es bien nourri. Je vous dis, c'est vrai. Vous écoutez régulièrement le frère Franck. Vous écoutez le frère Oudiadia. Vous écoutez le frère Georges. Maintenant, pour que tu viennes ici, tu dois être sûr. Que tu y es bien nourri. Et olei sama kandenge sengeli. Autrement, ça sera difficile. Ce qui bon côté, c'est ça le problème. Yangonde likambo. Les gens ont des petits cahiers cachés, des cahiers de prédication. De 74 avec beaucoup de titres. Et aujourd'hui, nous allons prendre le 70e semestre. Mais là où le peuple est nourri, nous entrons n'importe où. Dans la Bible, partout, il y a la nourriture. Partout, Dieu fait. Alors vous voyez, frère, que le vierge sache aujourd'hui sont connectés. Il y a un lien. Entre nous, et Matthieu 24, 45, Amen. Amen. Il y a un lien. Le frère Branham dit, le 4 décembre 1965, il prêche l'enlèvement. Il dit maintenant, c'est le temps de la proclamation du message. Il dit ce message, c'est un message
de rassemblement. Les vierges se réveillent. Il dit, réveillez-vous. Réveillez-vous. Nettoyez vos lampes. Pour ceux qui écoutent aujourd'hui, ils nettoient les lampes. Ils ont de réserves. Ils sont bien nourris. Continuellement. Avec eux. Dieu va achever. Bien aimé frère. Même s'il y a des difficultés. Même s'il y a des maladies. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. Même s'il y a des problèmes difficiles. Même s'il y a des détresses. Les dieux du ciel délivre de l'étresse. Le salut du juste. Le bruit qu'on a du Seigneur. Réveille-toi, Seigneur. La bouca en colo. Fais-moi justice. Le Père d'Israël. Israël. S'est confié dans ce Dieu. Le Seigneur. Colo. Était pour eux le Dieu des délivrances. Il était le Dieu qui les délivrait. Les épreuves ne nous sépareront pas de Dieu. Les épreuves peuvent venir. Mais sois rassuré que le Dieu que tu adores, c'est un secours. Qui ne manque jamais au temps de la détresse. Oh Seigneur, pourquoi ça prend longtemps? J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné. De sa postérité mendiant son père. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Le malheur atteint souvent les justes. Mais le Seigneur le délivre toujours. Oui, mes frères. Dieu n'a pas seulement envoyé la parole, mais il a aussi dit, voici, je suis avec vous. Le Dieu qui a marché avec Israël, c'est le même Dieu qui a marché avec Israël. Le Dieu de miracles. Le Dieu qui fait sortir de l'eau du rocher. Le Dieu qui transforme de l'eau amère en eau douce. Le Dieu qui guérit tout un peuple. Par un serpent d'airain. Le serpent était là en train de mort le peuple et tout ça. Le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent. Des reins. Place-le sur une perche. Il arrivera. Et quiconque sera mordu et se tournera vers le serpent sera guéri. Dieu a fait ça. Dans n'importe quelle direction tu es, Tu sens que ne sais pas ta mordu. Tu ne regardes pas la morsure. Tu retournes vers l'autre. Comme Moïse a répondu pendant le désert. Il faut de même. Le fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui. Qu'il reçoive la vie. Aujourd'hui.
y a plusieurs morsures. Des maladies, des problèmes. Notre regard. Écoutez la Golgotha. C'est là qu'est notre victoire. Je ne regarde pas la maladie. Je ne regarde pas mon problème. Je regarde à ce qu'il a fait. À Golgotha. À Golgotha. Il a payé le prix. À Golgotha. À Golgotha. Il a effacé. À l'ongola qui. Dans les ordonnances nous condamner. Il a vécu la mort. À l'ongola qui. Il a vécu le séjour de mort. Il a vécu l'enfer. À l'ongola qui lui fait l'eau. Il est ressuscité. À ce quoi qui. Il dit. À l'ombi. Ne craignez point. Je tiens la clé. Na siku fungola. La mort. Le séjour de mort. Na yewelo na kufa. La clé est dans notre corps. Bande ko fungo les ailes bon abisso. Tel que nous sommes là. Nenge tozawa. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous accolons kabalogi. N'écoutez pas l'ennemi. Koyoka monguna te. N'écoutez pas le diable. Koyoka diabulu te. Ouvrez vos oreilles. Fungo la matière na bino. Écoutez Dieu. Koyoka nzambe. Soyez sourds. Bosa la boyoka kate. N'écoutez pas le diable. Koyoka diabulu te. Derrière chaque maladie. L'insolis Nassima Bokoronyonso. Il y a un démon. Et nous avons appris que ce sont les esprits tourmenteurs. Tous les démons ont été vaincus à Golgotha. Malaria, diabète, stérilité, toutes sida. Ces choses. Si vous croyez so ki bondimi, de tout votre cœur, vous confiez en Dieu, tchè, nzambe, déjà vous êtes guéri. Il guérit le malade, les maladies de ce corps. Il donne la vie, il pardonne notre âme. Et nous sommes prêts. Pour nous en aller avec lui. Mais maintenant j'ai une question pour vous. Croyez-vous que Dieu pardonne? Croyez-vous que Dieu pardonne? Est-ce que vous le croyez? Croyez-vous que Dieu pardonne? Si de tout votre cœur, vous croyez que Dieu pardonne, croyez aussi que le même Dieu guérit toutes les maladies. Amen. Alibisaka bokono nyonso. Mon âme loue le Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne toutes iniquités et qui te guérit de toutes les maladies. Que les malades qui les croient se croient guéris maintenant. Dans le rassemblement de croyants, Dieu est présent. Dans le rassemblement de croyants, Dieu sauve le perdu. Dieu baptise dans l'esprit. Dieu guérit le malade. Croyez de tout votre cœur. Nous n'écoutons pas seulement la parole. Nous croyons de tout notre cœur. Et Dieu est en Zambé. Oui, sa parole. Pour la confirmer. Bien-aimé frère. Vous qui êtes fort. Supportez les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Ce qui nous unit, c'est le lien de la perfection. Nous nous aimons, nous nous pardonnons mutuellement. Et dans notre temps, nous savons que celui qui habite en nous est plus fort que celui qui est dans le monde.
Que le Seigneur vous bénisse. Accrochez-vous à cette parole. La foi est liée à l'obéissance. Quand vous croyez, vous obéissez. Dieu se rapproche de vous. Et quand vous ne croyez pas, vous êtes éloigné de Dieu. Mais vous êtes à la merci de l'ennemi. Nous mangeons très bien. Nous écoutons la parole. Nous aimons Dieu et nous gardons ses commandements. Que Dieu du ciel vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Sa miséricorde est insondable. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.